Imagine un monde où plus de la moitié des soignants font une grave dépression durant leur carrière. Imagine-toi être à l'écoute d'un patient tout en étant contraint de chronométrer ton temps. Imagine que cela représente ton quotidien, 60 patients en 12 heures par jour, pendant des années et des années. Que se passerait-il en toi ? Cela fait quelques décennies que la relation soignant-patient ne cesse d'évoluer, alors qu'en parallèle, on s'aperçoit d'une augmentation alarmante chez les soignants du nombre de dépressions, de burn-out et de suicides. Je suis Julia Gutfin, française docteur en droit spécialisé en droit de l'environnement. J'ai eu le plaisir d'enseigner dans les universités françaises et étrangères les finances publiques, le droit administratif et le droit de l'environnement, entre autres. Je suis André Simonet, photoreporter et réalisateur de documentaires français. Ensemble, nous avons décidé d'aller à la rencontre des différents acteurs de la santé aux quatre coins du monde afin de mener notre investigation sur la relation soignant-patient. De l'Europe à l'Amérique du Sud, en passant par l'Inde et l'Afghanistan, nous avons visité 12 pays sur les 21 projetés, rencontré près de 20 facultés de médecine et écoles de santé et interviewé une grande diversité de professeurs, d'étudiants, patients et politiciens, ainsi qu'un large panel de professionnels en activité, chirurgiens, gynécologues, cancérologues, médecins de famille à la campagne et en ville, infirmières et psychiatres dont certains soignent les soignants. En connectant ces différents acteurs de la santé, nous nourrissons l'opportunité de créer une réflexion mondiale sur l'importance de protéger la relation soignant-patient due à son influence sur la santé mentale des soignants et leurs conditions de travail. Chaque interview est interactive. Vous, étudiants du monde entier, pouvez poser vos propres questions à un soignant situé à l'autre bout du monde et ainsi participer à l'écriture du documentaire. Par exemple, vous, étudiants du Brésil, d'Allemagne, de Suisse ou de France, pourrez poser vos questions à des soignants de Chine, d'Inde, d'Iran, partout où nous irons. Notre objectif est de diffuser cette réflexion mondiale sous forme de docu-conférences dans les facultés et écoles de santé en Europe et ailleurs, afin de sensibiliser les actuels étudiants, soignants de demain, sur l'importance et la complexité de leur future relation soignant-patient. Au cours des 5 dernières années, notre voyage dans le monde de la santé nous a permis de découvrir de profondes souffrances et détresses, marié à une grande détermination de protéger la vie avec humanité et dignité. Nous n'aurions jamais pu imaginer le besoin pour tant de soignants d'exprimer leur mal-être dû à un manque de protection de la relation avec leurs patients. Sans protection, la relation soignant-patient a été relayée au second plan, laissant une place dominante à d'autres éléments. La rentabilité des soins, la déshumanisation de l'acte médical, l'hypertechnification des pratiques médicales, les démarches administratives toujours plus nombreuses, une montagne d'heures supplémentaires. Une pression toujours plus élevée sur les praticiens, justifiée par une vision à court-termiste de l'économie de la santé. Avec autant de pression, comment rester un acteur positif dans une relation ? Est-ce que la relation soignant-patient ne devrait-elle pas être considérée comme un sanctuaire vital, posant ainsi un cadre limitant la dégradation des conditions de travail et la dépression des soignants ? Aujourd'hui, pour continuer, nous avons besoin de vous. Vous, acteurs de la santé, vous, patients, vous, femmes et hommes, sensibles à notre démarche, soutenez-nous. Continuons à sensibiliser les soignants de demain et à enrichir cette réflexion mondiale à travers la réalisation du documentaire « Derrière la blouse blanche ». Il est temps aujourd'hui de se demander, pour le bien de tous, comment va mon médecin ?